Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis encore dans un autre endroit. Je passe ma vie à changer de pièce, à changer de maison, à changer de ville. Bientôt, ça va être changer de pays. Donc, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Mais un haul assez spécial. Donc, c'est un haul action. Hein, mais en fait, il y a un grand nombre de choses là, que je vais vous montrer qui va tout simplement être pour les fiançailles de mon chéri et moi-même. Et donc voilà, parce que Action, ils font des trucs juste de folie. Oh, attendez, excuse-moi, je m'installe correctement. Ils font juste des trucs de malade chez Action et vraiment pour des prix complètement abordables. Et au niveau de la décoration, ils font vraiment des choses hyper joli. Et ça faisait un moment que j'avais repéré certaines choses, mais dans certains actions, malheureusement, je ne les trouvais pas forcément, je ne retrouvais pas les trucs, ou alors ils en vendaient un seul, ou alors le truc était pété, parce que voilà, c'est le problème dans certains actions, surtout vers Paris, eh bien je sais pas, les gens s'acharnent chez Action, les gens aiment péter les trucs vers Paris, c'est un truc de malade. Et vu que ces derniers temps, avec mon chéri, on vit plus vers Le Mans, et bah malheureusement on pouvait plus aller à celui du Mans qui est vraiment pas mal, ou celui d'Alençon aussi on allait, ou celui de Nogent-le-Rotrou, enfin bon je vous dis à peu près ceux dans lesquels on allait, parce que ça ils sont vraiment bien. Quand on va vraiment dans les endroits un petit peu plus campagne, c'est tout de suite plus sympa. Donc là je suis allée à celui de Vannes, voilà, si jamais ça vous intéresse, et il est vraiment juste top, c'est hyper bien rangé, c'est nickel, il n'y a quasiment rien de cassé, enfin j'ai rien vu de cassé. C'est vraiment top et il y a énormément de choses, enfin bon, c'est vraiment super cool, donc on va commencer tout de suite, je voulais arrêter le blabla. Il y a d'autres trucs qui sont pas du tout des trucs pour les fiançailles, donc je vais quand même vous les montrer parce que ça reste cool. Et j'ai oublié de prendre le ticket, donc je reviens, je vais chercher le ticket. Voilà. Voici un ticket de 150 milliards de kilomètres de long. Mais pour une fois, vous voyez, Action, eux, il faut quand même assez d'économie par rapport à certains. Parfois, dans certains, je sais même plus c'est dans quel magasin. On avait acheté genre 4 trucs et on avait un ticket limite deux fois plus long que ça quoi, allez comprendre, enfin bref. J'espère que je vais bien retrouver les trucs parce que sinon je suis pas dans la merda. Alors déjà on a acheté un sac Action, on est très content, on est super content, oui, oui, oui. Je vais essayer de retrouver mais ça va être hyper compliqué, on a acheté plein de bougies, plein de formes différentes et tout. Donc pour me souvenir à peu près des prix, enfin bon après c'est à peu près les mêmes prix donc bon bref. Donc on va commencer par quoi ? Non, je vais commencer par les plus gros trucs comme ça sera plus simple, mais après il faut que je trouve les prix. Alors du coup premièrement, si j'arrive à le porter... Aïe, oh mon bras. Donc on a pris, donc c'était surtout pour ça que enfin, on est allé chez Action, voilà, enfin, c'était vraiment ça que je voulais, dont je vous parlais. Ce sont des lanternes qui sont juste immenses. Donc là voilà, je vous montre les détails un petit peu, c'est hyper beau. Donc là c'est un espèce de gris. Donc après elles sont blanches, vitrées. C'est très lourd, je vais reposer ça tout de suite. Bon, vous voyez que c'est immense et franchement le prix, enfin... Moi je l'ai déjà vu dans plein de magasins de décoration, en général ça coûte genre une cinquantaine d'euros si ce n'est même plus dans certaines boutiques. Et là le prix est juste dingue, celles-ci elles étaient à 17,95€. Donc on en a pris deux, je ne vais pas vous montrer la deuxième, c'est exactement la même. Hein. On a pris deux comme ça parce que tout simplement il y en avait deux, après il y en avait une autre qui était pareille mais elle était... C'était un plus couleur bois, bois blanc en fait. Bon là c'est un bois blanc mais je veux dire c'est un... pas comment dire, mais ils ont fait une espèce de dégradé entre le bois et le blanc. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Enfin bref, moi je me suis compris, c'est très bien. Ensuite on en a pris deux autres, on veut un peu mixer sur les tailles. On en achètera une prochaine fois parce que bah là déjà il y avait pas... Enfin on en voulait plus des grandes et bah on n'a pas pu en prendre d'autres. On a pris d'autres tailles et puis même le caddie était rempli en 2 secondes. En fait, toutes les lanternes ont pris déjà toute la place dans le caddie. Donc on s'est dit qu'on en prendra d'autres fois si on en retrouve. Parce que vu qu'on va faire nos fiançailles dans une maison qui est quand même assez grande, et bah et en sachant qu'on veut décorer le jardin et tout, il nous en faudrait quand même plusieurs, que ce soit vraiment joli, que ça fasse pas juste voilà, deux petits trucs et demi. Ce serait un peu bizarre. Donc on a pris aussi celle-ci. Donc celle-ci, elle a les portes qui s'ouvrent en fait comme ça. Vous voyez, alors que l'autre, il n'y a qu'une seule porte. Donc vraiment super belle, pareil grise et blanche. Donc moi j'adore les détails comme ça, je trouve ça magnifique. J'adore, oulala, je sais pas comment ça a pété l'autre lanterne. Elle était à 11,95€ et l'autre... Ah, je crois que je me suis foutu une écharpe dans le doigt. Et on a pris celle-ci qui ressemble beaucoup à l'autre, mais sauf que là c'est, comme vous pouvez voir, c'est croisé. Et pareil,
Mais merde, elle s'ouvre. Ah non, celle-ci elle s'ouvre vers, sur le haut en fait. Je me suis dit merde, comment je vais faire pour l'ouvrir? Non, elle s'ouvre sur le, au niveau du haut, celle-ci. Et elle était aussi à 11,95€ visiblement. Donc, comment dire que ça vaut énormément de coups, vous voyez, elle est hyper grande aussi quand même. Donc, voilà pour les lanternes. Ensuite, je vais vous montrer juste deux tasses que j'ai prises là-bas. Ça n'a rien à voir avec les fiançailles, mais là, je les ai sous le nez. Donc, voilà, parce qu'après, j'ai un sac rempli, laissé tomber. Putain, je vais être un plomb. Donc, j'ai pris des grosses tasses comme ça, parce qu'en fait, en ce moment, on est en Bretagne avec mon chéri, donc on est chez mes grands-parents. Parce que voilà, il travaille là-bas, je sais pas si je vous l'avais dit. Et donc j'ai pris deux tasses, une qui est un petit peu bleutée et l'autre elle est plus grise. Donc voilà, elles sont assez grandes. Parce qu'en fait ici il y a que des tasses toutes petites. Et pour boire mon thé, ça me saoule. Parce que moi j'aime boire vraiment des grandes tasses de thé. Donc du coup j'ai pris ça et je sais plus à combien elles étaient. Si je les trouve quelque part dans ce bordel. Les bols étaient à 1,99€ l'unité. Putain. Pas quoi foutre de tout ce bordel là. Ensuite, j'ai pris des espèces de paravents ou pare-feux. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense pas que ce soit des pare-feux parce que sinon ça prendrait feu. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ça s'utilise pour ça. Mais pareil pour les fiançailles, je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas encore comment je mettrais. Peut-être à côté des lanternes, tout ça. Enfin, ça peut être hyper joli. Ou alors je me disais. Attendez, je vous le montre à l'envers, c'est moins joli comme ça. Ou alors je me disais peut-être sur le buffet, ça pouvait être hyper joli en décoration. Enfin bon, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais ça ressemble à ça. Et j'ai pris celui-ci, donc j'adore les motifs, ça fait vraiment motif ancien. Et après il y a celui-ci, ça fait plus motif, je trouve que ça fait vachement motif mosquée. Enfin je sais pas si vous trouvez aussi. Bref, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Enfin mosquée, je veux dire même le Maroc, tout ça, enfin les endroits un peu dans ce genre là, je trouvais ça super joli, donc je me suis dit j'allais prendre deux types comme ça. Il y en avait d'autres, je crois qu'il y avait encore un autre motif en tout cas de ceux que j'ai vus, donc je verrai, peut-être que j'en prendrai d'autres, on verra. Eh bien je ne sais pas exactement si c'est ça ou pas, je pense que ça doit être ça, écran fenêtre, je sais pas trop si c'est ça ou pas. Bon, si toutefois c'est ça, ça coûte 4,38€, mais sincèrement je suis vraiment pas sûre que ce soit ça. Je trouve pas sur le ticket, je sais pas comment ça s'appelle et j'ai pas l'impression que ce soit autre chose. Donc bon, on va dire que ça coûte 4,38€, mais sincèrement, je pensais que c'était quand même plus cher que ça. Donc bon, je vous dis ça, je suis pas sûre que ce soit ce prix-là, mais ça coûtait vraiment pas cher. Donc on continue parce que du coup là j'ai mis 100 ans à chercher. Autre chose par contre, ça c'est pour mes vidéos ASMR. Il est craquera le machin, là. Il y a de la bougie qui est là-dessus. C'est un carnet de mandala, voilà. Et vous avez plusieurs types de mandala. Enfin bon, voilà, c'est vraiment pour l'ASMR. Pourquoi pas si jamais j'ai envie de me détendre à faire du coloriage. Hein. Mais voilà, vous avez vraiment plusieurs types. C'est quoi ça? Ah, je mets un petit elf ou je sais pas trop quoi. Et vous en avez visiblement sur les deux côtés. Donc voilà, il y en a plein, il y en a des très jolis. Et je me suis dit que pour faire de l'ASMR, c'était vraiment pas mal pour faire une vidéo d'ASMR. Donc voilà, je pense à mon autre communauté. Et ça, le carnet de mandala, il était à 99 centimes. Donc on n'allait pas cracher dessus. Pour aller avec ça, j'ai pris des feutres. Et en plus, c'est des bics. Donc franchement, ça c'est vraiment cool. Et ça, c'était à 1,99€ les 12. Donc, c'est pareil, ça vaut grave le coup. Excusez-moi, je viens de balancer le machin. Je n'ai pas assez de carnet, bien évidemment que non. J'ai juste flashé sur ce carnet. Il est juste. Enfin, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, c'est avec de l'espèce de moumoute. Donc, pareil, je me suis dit pour la SMR, ça peut être pas mal pour faire certains petits déclencheurs. Et il est mais. Mais regardez ça, il est trop beau. Il y en avait un aussi, je crois qu'il était en noir aussi, mais alors de cette couleur là, il est magnifique. Il est juste trop beau. Et en plus, il a des lignes dedans. Donc par contre, c'est un espèce de blanc cassé un peu jaune, les pages, et il y a des lignes, donc ça c'est vraiment top. Et puis vous avez un petit bidule là, un petit marque-page en tissu aussi là. Enfin bon, vous allez le voir là. Et donc celui-ci, le carnet, il était à 1,99€, donc pareil, un truc qui vaut grave le coup. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc pour les fiançailles, on a pris ceci. Je sais absolument pas ce qu'on va écrire dessus, ce qu'on va mettre, etc. Je n'en sais absolument rien, mais on le trouvait hyper beau. Donc bon, on verra si on écrit quelque chose dessus et ce qu'on écrira, je ne sais pas encore. Donc moi j'adore les trucs comme ça à l'ancienne, c'est mon kiff.
Et donc ça, donc c'est avec une ardoise hein, bien évidemment au milieu. Donc ça c'était à 3,49€, donc pareil, vraiment ça vaut le coup. Pour aller avec ça, bien évidemment, on a pris des petites craies, il y en avait, donc autant les prendre hein, parce que là en plus il y a plusieurs couleurs, il y a du rose, du bleu, du vert, du jaune et il y en a plusieurs des blanches. Et après il y a une espèce de orangé, j'ai l'impression. C'était à 29 centimes à l'eau, 29 centimes. Ensuite, on a pris plein de bougies, plein de bougies, bah, pour pouvoir les mettre dans les lanternes, tout simplement parce que on a envie de mettre plein de bougies pour le jour J. Donc là, voilà, c'est une bougie blanche qui est ronde, donc elle est hyper jolie. Je sais pas si vous allez voir les détails. Bonsoir, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas faire la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Donc on a pris ça, je vous dirai après à peu près les prix. Hein. Mais on en a pris plein. Voilà. On a pris 52 000, je sais pas comment faire. Après, on a pris des roses comme ça, pareil, on a pris plusieurs couleurs. Parce qu'en fait, vraiment, les couleurs que moi j'aimerais, c'est rose pâle, blanc. Après, il y aura vachement de verdure, donc certainement des feuilles, etc. Donc, il y aura un peu de vert. Et je voulais du bois, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ce sera un petit peu style bohème, mais avec des couleurs, voilà, des couleurs simples. Pourquoi dès que... Non mais vraiment, je me dis, dès que je tourne, il faut qu'il y ait du bruit. Que ce soit de l'ASMR ou pas de l'ASMR, sans déconner. Ensuite, donc ça on en a pris plusieurs aussi. Ensuite, on a pris des petites blanches comme ceci. Donc voilà, on en a pris vraiment plein, des roses, des blanches de taille assez petite. On en a pris une seule, il en restait plus qu'une seule, donc ça faudra qu'on en retrouve. Dans une autre action ou dans le même et qu'on y retourne en fait. Les mêmes que les grandes roses mais en blanche on en a trouvé qu'une seule. Donc voilà. Et puis voilà pour les bougies. Je ne vous les montre pas toutes parce qu'on en a pris plein. Mais en gros voilà c'est tous les types de bougies qu'on a pris, c'est celle-ci. Alors je vais vous dire les prix approximatifs. Donc vous allez savoir si c'est plus cher c'est les plus grandes et si c'est moins cher c'est les plus petites. Après les rondes et les plus petites blanches, je crois que c'était à peu près le même prix. Donc ils disent bougies rustiques, il y en a qui sont à 1,04€, on en a pris 6. Ensuite on en a pris 5 des bougies rustiques, les roses, donc l'autre c'est ivoire, là c'est des roses, 1,04€ aussi puisque ce sont les mêmes. Ensuite les bougies plus grandes, donc ça doit vraiment être voilà, les beaucoup plus grandes, elles sont à 2,29€, on en a pris 4, donc là c'est les roses pastel. Ensuite en ivoire, bah, 2,29€ aussi, 1,04€ aussi en ivoire, on en a pris 5 et je crois que c'est tout ce que je vous ai dit. Bah attention c'est tout le même prix, donc je pense que les rondes et les plus petites là sont au même prix, c'est 1,04€ et c'est vraiment les beaucoup plus grandes là qui sont beaucoup plus chères et qui sont du coup à 2,29€ l'unité. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris, parce que je veux vraiment voilà, jouer un petit peu sur les hauteurs etc. Pour les fiançailles. Et j'ai trouvé ça, alors j'espère que ça va être bien. Je vais l'ouvrir après pour voir si la qualité est pas trop mal. Après il y avait une boîte qui était ouverte donc j'ai regardé pour voir si ça avait l'air pas mal. Et ça avait l'air pas mal. Donc j'ai pris ceci. Donc c'est en fait des assiettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça me saoule là dehors les travaux. Ce sont des assiettes en fait qui sont mises les unes sur les autres. Et c'est vraiment très très joli voilà pour mettre voilà c'est à étage comme ça. Et c'est vraiment très joli je trouve pour disposer voilà, des petits gâteaux, de la petite bouffe, des petits fours, des petits trucs comme ça. Je trouve ça très joli. Donc ça j'en ai pris 2. Et ça c'était à blablabla à 4,19€ l'unité. Donc pareil ça vaut grave le coup. J'espère que ce sera pas de la merde. C'est surtout ça là. Que je me dis. Ensuite j'ai pris ceci. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour se faire des espèces d'ondulations. Et je savais pas du tout qu'ils avaient ça chez Action. Et donc ça ils appellent ça des papillotes. Donc il y en a 6 dedans et j'en ai pris en tout, j'en ai pris 4 parce qu'on a quand même pas mal de cheveux. Donc attention je pense si on veut prendre plus ou moins de cheveux, voilà. Par contre il va falloir que je regarde un tuto sur internet parce que je me souviens plus exactement comment on met et je sais pas si vraiment ils disent à peu près comment faire. Je verrai bien et je ferai ce test là avec vous parce que voilà je me dis que ça peut être cool. C'est un truc qui n'abîme pas les cheveux puisque c'est pas avec du chaud. Donc voilà je me suis dit que ça pouvait être pas mal et ça coûtait vraiment pas cher. Ça coûtait 75 centimes donc en tout j'en ai eu pour 3€ pour tout. Donc vraiment pas cher. Je verrai si c'est bien, si c'est pas bien, on verra bien. Je pense que ça peut faire très joli, ça peut être très sympa. Donc why not. Ouh, mon bras a craqué. Ensuite,
truc très très intéressant. J'ai pris un rasoir. Oui, on est très content parce que le mien commence à rendre là, mais j'ai pas trop envie de mourir. Et donc, tout simplement, ce petit rasoir était à 2,99€. Et vous avez des recharges. Enfin, en fait, donc ça vaut vraiment le coup. Parce que vous avez le rasoir, mais vous avez deux recharges en plus, apparemment. Enfin, vous avez celui qui est de là, et vous avez, en gros, vous avez trois lames en tout, donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai vu qu'ils vendaient aussi les lames à côté. Si jamais ça vous intéresse d'acheter ce rasoir et de vous dire que vous pouvez acheter des lames à côté, ils vendaient les lames toutes seules aussi. J'ai pris du dentifrice, on est très content. Le dentifrice là-bas il coûte 99 centimes. En tout cas celui-ci c'est le Colgate Whitening and Fresh Breath. Voilà, on est très content. Pour avoir les dents blanches, belles. Ensuite j'ai pris des Kleenex tout simplement parce que pareil, ils les vendaient pas cher et qu'il m'en fallait. Putain de merde, je vais tout tomber. Et qu'il m'en fallait absolument parce que voilà. C'est toujours pratique d'en avoir. 89 centimes. La marque Kleenex. 89 centimes, on est content. Bon, on avait besoin aussi d'une ampoule. Il nous manquait une ampoule pour justement le lieu pour les fiançailles. Donc mon chéri en a racheté une. Enfin, il me semble que c'était pour ça qu'il en a acheté une. Les ampoules là-bas, ça vaut vraiment vraiment le coup aussi. L'ampoule là, elle coûte 99 centimes. Et après, j'ai repris du shampoing sec parce que j'en ai presque plus. Et ils vendent le Baptiste. Alors, par contre, en général, à chaque fois que j'y allais, il y avait que, je crois, des petits formats. Et là, c'est le format normal. Donc j'ai sauté dessus. Ils avaient plein d'odeurs. Alors après, je pense que surtout quand je vais dans certains actions, ils sont nuls. Alors que là, vraiment, il y en avait plein. Et là, celui-ci, je me souviens plus si je l'ai déjà utilisé. Je crois pas que je l'ai déjà utilisé. Non, je crois pas. Ah. Ouh, je suis pas sûre qu'ils sentent bon. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pour au moins pouvoir avoir les cheveux propres plus longtemps. Et donc ça, le shampoing sec Baptiste, je l'ai eu à 3,23€. Ça, je dirais que c'est un petit peu plus cher. Je sais pas combien ça coûte en vrai. Je crois que c'est le truc limite que je trouve le plus cher de tout le truc. Et j'ai pris aussi ce shampoing Franck Provo. Parce que les shampoings Franck Provo, ils sont vraiment très très bien. Et ils font des... Enfin, ils font des grosses bouteilles comme ça de 750 ml. Donc comment dire que c'est super bien. Là j'ai pris l'expert réparation parce que mes cheveux ont toujours et auront toujours besoin d'être réparés je pense. Et ça pour cette énorme bouteille, 3,95€. Donc pareil, je crois que ça vaut quand même le coup. En tout cas je trouve pas ça excessif pour la taille du truc et pour la marque puisque ça reste que du Franck Provo. Et comme vous voyez c'est pas écrit de la même langue et c'est pour ça je pense que c'est ils font des trucs moins chers parce qu'ils doivent les récupérer d'ailleurs dans d'autres pays, j'en sais rien. Mais en tout cas celui-ci voilà il est sans silicone, répare et renforce, céramide et arginine, cheveux abîmés, fragiles et cassants. Mode d'emploi, appliqué sur les cheveux mouillés, je pense qu'on n'est pas trop bête pour savoir appliquer du shampoing. Donc voilà, normalement ils sont assez bien, hein. Ils sont trop bons par contre, j'adore. Oh là là, j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, j'en avais déjà testé plusieurs. Ma mère, je crois qu'elle en utilise un aussi, je ne sais pas si c'est celui-ci ou si c'est un autre, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez savoir qu'ils ont plusieurs types. Ils ont réparation, brillance, cheveux colorés, blablabla. Moi, je prends toujours réparation, je m'en fous de prendre pour la couleur. J'en ai des shampoings pour entretenir la couleur, mais bon, là, c'est bon, ils ont dégorgé depuis le temps. Ça fait genre 4 ou 5 mois que je ne suis pas allée. Donc, bref, en tout cas, voilà, je trouve vachement bien. Et puis, bah, c'est tout pour ce haul, pour ce big haul. Je vais couper plein de moments parce que, comment vous dire, que j'ai galéré à trouver les prix à chaque fois sur ce ticket, ça m'a pompé l'air. Et normalement, je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Je sais pas si mon chéri a récupéré des trucs dedans, mais je pense pas. Et lui, il avait rien un peu de spécial. Ça lui pompait l'air. Bah, juste, il trouvait. Bah, pour les fiançailles, là, ça l'intéressait. Mais dès que moi, j'ai fait mon petit tour à moi pour prendre d'autres trucs, forcément, ça l'a un petit peu moins intéressé. Donc, voilà pour ce gros haul. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et dites-moi si vous avez envie un petit peu de suivre mes aventures. Je dis mais parce que mon chéri ne veut pas se montrer. Mais bon, en gros, nos aventures dans les achats un petit peu bah, de pour les fiançailles, etc. Si jamais ça vous dit, why not, de regarder un petit peu. On avait déjà acheté d'autres choses. Ma mère avait acheté quelques trucs chez Sostrengren. Moi, j'avais acheté quelques trucs chez
Babou, on a acheté déjà quelques petits trucs. J'avais demandé aussi aux gens un petit peu, et ma mère avait demandé aussi à pas mal de personnes autour d'elle, de garder les petits pots de yaourt, de confiture, etc. Parce que j'ai l'intention de mettre des bougies dedans. Alors ça ne restera pas juste en pot comme ça, mais je vais mettre des petites ficelles dessus. Enfin bon, au pire, je vous emmènerai avec moi pour faire tout ça, des petites DIY, les petites trucs très simples. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc pourquoi pas. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Petite parenthèse, parce que là je viens de faire comme ça et j'ai rien sur ma main. Et je viens de tester en fait un rouge à lèvres de chez Tarte. Et il est clairement sans transfert. Genre je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment 0 marque. Il est génial, incroyable. C'est le Clean It, si jamais ça vous intéresse. Par contre, je pense que vous pouvez que le commander parce que Sephora, ils le font pas en France encore, Tarte, je crois. Bon, bref. On s'en fout. Bisous. Avec mon rouge à lèvres très bien sans transfert. Ciao.